Cédric Fayolle nous fait visiter les installations à micro-cimage. Ça, c'est le moignon. Tu vois, c'est un début de moignon 3D. Il y a des endroits où on a pu garder ce qu'on avait fait, nous, avec le moignon. Et il y a des fois, en fait, où c'est plus simple pour nous de tout enlever et de changer complètement. Donc, toujours pareil, on se base sur la réalité. Là, pour le coup, on change tout parce que c'est plus simple pour nous de tout changer. Mais ça, après, c'est selon les plans ou mix. Enfin, soit c'est dans l'intérêt du plan. Ils enlèvent les chaussettes vertes, ils restaurent le décor derrière, avec les photos qu'on a faites, les passages vides, etc. Et quand il y a de la 3D, ils viennent réintégrer la 3D et la faire coller au rush, quoi. Sur le sol aussi. La prothèse, on avait celle du tournage. Et ensuite, il y a un modeleur qui n'est plus là parce que lui, il est là au tout début de la prod et qui a passé 3 semaines à modéliser à l'identique la prothèse. Il l'avait sous les yeux à côté de son ordi et il l'a modélisé entièrement. Et après, c'est Damien qui est venu mettre les endroits où ça devait se plier pour que ça se plie exactement comme la vraie. Donc c'est la même que la vraie, en fait. C'est ce sur la vraie. Et après, tu vois, en rendu, ça donne ça. Ça, c'est l'étape de rotoscopie. C'est que quand on ne peut pas faire une incruste fond vert, quand on n'a pas les éléments pour le faire, et que donc en fait, on est obligé de passer image par image à détourer les objets. Donc voilà, donc en fait, Philippe, il fait image par image, il rotoscope les... Là, en fait, ça sera les prothèses Coramarion, les prothèses en métal. Et comme Mathias passe devant, on est obligé de détourer Mathias image par image pour ensuite venir le remettre par-dessus l'élément 3D. C'est un taf où il faut énormément de patience, parce que c'est image par image et que, tu vois, c'est point par point.